Bonjour les amis, alors fin de la فقرة ننتقلوا لي زيكزارسيس في كورون الترناتيف واللي غنشوفوا فيه سيركوي ار ال ان شاء الله من بعد غنديروا ار سي اي ار ال سي. الوغ اكزارسيس بروميير كيقول لنا سيدي عندنا واحد السيركوي اون سيري فيه ار اي اي يو ال الوغ فيه لا بوبين اي لا ريزيستونس بحيث R est égal à 12 ohm, L est égal à 2 mH et F est égal à 1 kHz et la tension égale 1 volt. La première question, déterminer l'expression de l'impédance complexe de la circuit. Et la deuxième question, on déduire l'impédance Z en ohm. Et la troisième, calculer le courant efficace I et les tensions efficace UR et UL. La quatrième question, quel est le déphasage fait entre I et U en degré et on déduire le déphasage fait entre UL et U en degré. La première question, on déduire l'expression de l'impédance complexe de le circuit. On a le circuit là, fiha la résistance ou fiha la bobine. Alors Z شحال تساوينا l'impédance ديال la résistance plus l'impédance ديال la bobine. Alors égal à Z R et Z bar de L. Et on a Z bar R est égal à R et Z bar L est égal à G L oméga. Alors Z bar atteina R plus G L oméga. كنعاودو هادو. Alors, la deuxième question, on déduit l'impédance Z en ohm. Alors, on a Z est égal à quoi? Est égal à la mandam de L, Z bar. Alors, est égal à R plus G L oméga, la prime de L, Z bar. Alors, Z est égal à la racine de R carré plus L oméga carré. Behait oméga est égal à 2π sur la fréquence. Application numérique, Z est égal à 12 ohm carré, la valeur de la résistance, plus 2π fois 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3. On a oméga oméga 2πf, 2π fois la prime de la fréquence, les IA, 1. Kilo hertz, yani 10 ou 7 hertz carré. Alors la valeur de l'impédance égale 17 facile à 37 ohm. La troisième question, calculer le courant efficace et les tensions efficaces IR et UL. À la première, on calcule le courant efficace. Alors on alors Z est égal à la mandam de Z bar est égal à la tension sur le courant. Alors I est égal à U sur Z. Application numérique, I est égal à la tension, on a l'impédance de la prime de la est égal à 1 sur 17 facile à 37 égal à 0 facile à 0,575 ampères égal à 57,5 milliampères. On calcule la tension de la résistance, UR. On a UR égale à R fois I. Alors, application numérique, UR égale 12 fois 57 facile comme ça, fois 10 à la puissance moins 3. Alors, est égal à 0 facile à 16 volts. La troisième, UL égale XL fois I. Égal à L oméga fois I, bihaito XL est égal à L oméga, en audo hanaya, oméga est égal à 2πf, en audo oméga hanaya, alors est égal à 2πLf fois I. Application numérique, UL égal à en audo col haja blokimadilha, alors égal à 2π fois 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 fois 57,5 fois 10 à la puissance moins 3.
Alors, il te gagnera, c'est facile à tenir le 70 volts. Quatrième question. Calculer le déphasage phi entre I et U en degrés. Alors, on a phi U est égal à l'argumentation de Z bar est égal à tangente moins 1 de I oméga sur R. Alors, application numérique, phi U I égale tangente moins 1 de 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 2 pi fois 10 à la puissance 3 sur 12. Alors, phi I sur I égale 120 fois 139 degrés. Cinquième question, on déduit le déphasage U de UL tel I en degrés. Alors, il y a deux méthodes. Première méthode, le diagramme de Frenet. On a le diagramme de Frenet de Halaka, où on a le déphasage entre U et Yahadi. Alors, le déphasage de U il Yahadi entre U il Yahadi, le positif de alors, phi de U sur I, adatina, tsin, had zawiya, moins had zawiya, lihiya, phi de U sur I. Alors, adatina, moins 93, 43, facile à 68 degrés. Une autre méthode, il y a la relation de Charles. Alors, on a phi de U, tel I. Entre le halakha Charles entre UIL et U, Radatina, phi de U, I, et phi de I, UIL. Alors, phi de U, UIL, Radatina, le déphasage entre U et I, moins le déphasage entre UIL et I. Alors, le déphasage entre U et I, Radatina, star, bien facile à tenir latine. Il y a le déphasage entre U et I, moins 90, le déphasage entre U et I. Alors, il y a là moins 43, facile à 68 degrés. Alors, comme le faqra dit là, bonjour les amis. Alors, maintenant, le courant alternatif, exercice le circuit RL. Alors, d'abord, on taqlo le deuxième exercice, là, on dit le circuit RC. Alors l'exercice qui dit on a un circuit RC fait la résistance ou la condensateur fait le courant alternatif. Première question, calculer les tensions efficaces IR et IC. Deuxième question, déterminer l'expression de l'impédance complexe Z de le circuit. Et troisième question, calculer l'impédance Z en ohm. Et quatrième question, calculer la tension efficace I de la circuit et calculer le déphasage phi entre U et I en degrés. Alors, les données, on a R est égal à 4,7 kΩ et la capacité de condensateur est égale à 5,6 nanofaraday et le courant 4 microampères et la fréquence 10 kHz. Alors, rentrons dans la première question. Calculer les tensions efficaces IR et IC. Alors, à la première, on calcule la tension IR. Alors, on a d'après la loi de Ohm, la loi de Ohm, IR est égal à quoi? Est égal à R fois I, est égal à la résistance fois le courant, les désignes la résistance. Alors, application numérique, IR. غنعوضو إير بالقيمة ديالها وغنعوضو الكورون بالقيمة ديالها. ألوغ عندنا إير إيكال 4.7 في 10^3 وعندنا الكورون إيكال 4400 في 10^6 أمبير. ألوغ إير غتعطينا 1.88 فولت. غندقو دابا كالكيلي لا طونسيون إي سي دو لا كوندنساتور. ألوغ قلنا إي سي إيكال إكس فوا إي بحيث
x est égal à 1 sur c oméga et oméga est égal à 2p fois la fréquence. Alors, ici, égal à 1 à c oméga fois e, on a oméga, qui est égal à 2p fois la fréquence. Alors, ici, c'est égal à i sur 2p fois la fréquence fois la capacité de condensateur. Alors, application numérique, on a là-bas. القيم بالعدد ديالها اي سي ايتيغال القيمه ديال اي هي 410 اس ناقص 6 سير 2 بي فوا 10 فوا 10 على بوسونس 3 فوا 5.6 فوا 10 على بوسونس موان 9 الو لا تونسيون دو لا كوندنساتور ايتيغال 1.13 فولت. غندخل لدوزيام كيستيون. Deuxième question, déterminer l'expression de l'impédance complexe Z complexe de la circuit. Alors, on a un circuit en série où fait une résistance et un condensateur. Alors, l'impédance de circuit, on a l'impédance de la résistance et l'impédance Z le condensateur. Alors, on a Z R plus Z de C complexe. Alors, c'est égal à Z de R complexe plus Z de C complexe. Pour là, Z R est égal à R et Z C est égal à moins G sur C oméga. Alors, je vais vous donner Z. On a Z R le prime de la R ou Z C le prime de la R moins G sur C oméga. Alors, on a R moins G sur C oméga. Troisième question, calculer l'impédance Z en ohm. On a Z égal à la mandame de Z complexe, égal à la mandame de R moins G sur C oméga. Alors, c'est égal à la racine de R carré plus 1 sur C oméga carré. On a oméga égal à 2P F, la F égale la fréquence. On a la relation. Alors, Z est égal à la racine de R carré plus 1 sur 2 pi la fréquence la capacité au carré. Alcool au carré. Application numérique. Alors, Z est égal à la racine de 4,7 fois 10 à la puissance 3 alcool au carré plus 1 sur 2 pi fois 10 à la puissance 4 fois 5,6 fois 10 à la puissance moins 9 alcool au carré. Alors, est égal à 5,472 kilo ohm. C'est la de l'impédance. Alors, quatrième question. Calculer la tension efficace I. D'après la loi de Ohm, on a I est égal à l'impédance fois l'impédance de la circuit. Et I est de la circuit. Alors, est égal à l'impédance du circuit fois le courant légère fois le circuit. Alors, application numérique, on a la prime de l'impédance et on a la prime de le courant, il y a 400 micro-ampères. Alors, est égal à 5,49 par 10 ou 3 fois 400 par 10 ou 6. Alors, tension efficace est égale à 2,19 volts. La cinquième question, ou la question de l'autre, on va calculer le déphasage fait entre U et I en degré. On a le déphasage entre U et I. Chaque question est l'argument de Z complexe. Le question est là, moins tangente moins 1 moins 1 de 1 sur R C oméga. Alors, on va dire l'application numérique, on a eu le qm de R ici, oméga, on a eu 2π la fréquence. Alors, la différence entre I et I est égal à moins tangente moins 1 de 1 sur 2π fois 10 à la puissance 4 fois 4,7 fois 10 à la puissance 3 fois 5,6 fois 10 à la puissance moins 9. Alors, en natijal l'akhira, le déphasage entre U et I est égal à 31,6 degrés. Alors, exercice d'yelna ou wahada, quand tu m'en as fait un mot,
إن شاء الله البارتي الجاية نديرو فيها لا سيركوي اكزيس اون كورون الترناتيف في سيركوي اير ال سي. بونجور لي زامي، الوغ دان سيت فيديو اون فا فوار ان اكزيرسيس نيميرو 3 على كورون الترناتيف، اي كونتيان سيركوي اير ال سي. الوغ l'annonce de l'exercice. L'exercice contient un circuit RLC, une résistance et un condensateur et un bobine. R est égal à 440 ohms, il est égal à 100 mH et la capacité est égale à 1 nanofarad et la tension U égale 5 volts et la fréquence 50 Hz. Alors, première question, calculer l'impédance Z de la circuit. Et deuxième question, calculer les valeurs efficaces des courants I. Et troisième question, calculer les tensions efficaces IR, IIC et IL. Quatrième question, calculer le déphasage fait entre U et I en degrés. Et cinquième question, déduire la nature de la circuit. Et question suivante, calculer la fréquence de la résonance. Et la dernière question, calculer la tension UC0 à la fréquence F0. Première question, calculer l'impédance Z de la circuit. Alors, on a le circuit qui contient un condensateur et un résistance et un bobine. Alors, Z égale l'impédance de la résistance plus l'impédance de la bobine plus l'impédance de la condensateur. Parce que le circuit en série. Alors, ZA, ZR plus ZL plus ZC. Tel que ZR est égal à R et ZL est égal à GL oméga et ZC est égal à moins G sur C oméga. Alors, Z est égal à R plus GL oméga de ZL moins G sur C oméga de ZC complexe. Alors, Z égale à R plus on factorie sur G. Alors, R plus G factorie L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, Z égale. Alors, Z égale à la racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga carré. Application numérique, Z est égal à la racine de 440 au carré plus 2P fois 50 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3 moins 1 sur 2P fois 50 fois 10 à la puissance moins 9 carré. Alors, Z est égal à 3,18 mégaohms. La question suivante, calculer la valeur efficace du circuit I. Alors, on a la tension efficace égale à l'impédance de la circuit fois le courant efficace. Alors la relation de le courant I égale à la tension efficace sur l'impédance. Application numérique I est égal à 5 sur 3,18 fois 10 à la puissance 6. Numérique, courant efficace égal à 1,57 microampères. La question suivante, calcule les tensions efficaces IR, IIC et IL. À la première, on calcule la tension de notre deux bornes de la résistance IR. Alors, on a IR égal à R fois I d'après la loi d'Ohm. Alors, application numérique, I est égal à 440 fois 1,57 fois 10 à la puissance moins 6 de la courant I égal à 0,69 millivolts. Alors, question suivante, partie suivante, calcul de IIL. On a IL est égal à XL fois I.
x il est égal à il oméga, alors il est égal à il oméga fois i est égal à 2p il la fréquence fois la valeur de le courant. Alors l'application numérique, il est égal à 2p fois 50 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3 fois 1,57 fois 10 à la puissance moins 6 égale à 4,99 volts. Alors on calcule ici. On a ici est égal à xc fois i et xc est égal à 1 sur c oméga. Alors ici est égal à 1 sur c oméga fois i égale à 1 sur 2pi f fois c parce que oméga est égal à 2pi f, 2pi fois la fréquence. Alors application numérique ici est égal à 1,57 fois 10 à la puissance moins 6 sur 2pi fois 50 fois 1 fois 10 à la puissance moins 9. Alors égal à 49,3 microvolts. Alors question suivante, calculer le différence phi entre U et I en degrés. Alors on a la valeur, la relation de phi est égale à l'argument de Z complexe. Alors est égal à tangente moins 1 de il oméga moins 1 sur c oméga sur U. Alors application numérique égale à tangente moins 1 de 2pi fois 50 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3 moins 1 sur 2pi fois 50 fois 1 fois 10 à la puissance moins 9 sur 440. Alors phi déphasage égale à moins 89,99 degrés. Alors, question numéro 5. On déduire la nature de la circuit. Alors, on a phi supérieur à 0. Alors, il oméga supérieur à 1 sur c oméga. Alors, la tension de la bobina supérieure à la tension de la condensateur. Alors, la circuit, c'est un circuit capacitif. Parce que la tension de la capacité supérieure à la tension de la bobine. Alors, question numéro 6, calculer la fréquence de résonance. Alors, à la circuit de résonance, on a l'impédance de la bobine égale l'impédance de la condensateur. Alors, L oméga 0 égale 1 sur C oméga 0. Et alors, il c oméga carré égale à 1. Alors, oméga 0 au carré égale à 1 c sur oméga. Alors, oméga est égal à 1 sur la racine de il oméga. Et on a oméga est égal à 2pi fois la fréquence. Alors, oméga 0 est égal à 2pi fois f0, la fréquence à la résonance, égale à 1 sur la racine de il c. Alors la fréquence de la résonance f0 est égale à 1 sur 2p la racine de il c. Alors application numérique f0 est égal à 1 sur 2p la racine de 100 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 10. Alors la fréquence de la résonance f0 est égale à 15, 915 kHz. Alors, la dernière question. Calculer la tension IC 0 à la fréquence F0, la fréquence de résonance. Alors, on a IC 0 égale à 1 sur C oméga 0 fois I. I la tension égale à l'impédance fois le courant. I est égal à Z fois I. Et à la résonance, I égale R fois I. Alors, I égale I sur R. Alors, application numérique, I égale 5 sur 440 égale à 0,01 ampères. Alors, d'abord, on calcule
la tension U c'est 0. Alors U c'est 0 égale 1 sur 2π fois la capacité fois la fréquence de résonance fois le courant à la résonance. Application numérique U c'est 0 égale 1 sur 2π fois 10 à la puissance moins 9 fois 15,91 fois 10 à la puissance 3 factorisé 0,01 est égal à 113,03 volts. Alors, l'exercice fini. À la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.